Bonsoir Madame la fédérale Congo, de Congo Positif France. Veuillez applaudir Madame Nathalie Fania. Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous vous remercions pour votre présence en ce lieu en dépit de vos multiples occupations. Sans plus attendre, nous allons passer à la parole à Madame Fania Nathalie. Pour ce mot de circonstance, avant bien évidemment de passer au jeu de questions. Bienvenue dans tolodelavie.com. Alors, chaque fois, puisque tout ça va, juste pour vous informer. Vous informer, c'est notre souci majeur au Tosaranamo, il y a du bosso. Là, nous avons Madame Nathalie. Nous avons été en train de parce que nous avons un projet, nous un mouvement. Oyo bazo présenté un mot pas à Batou. Bazo bien un mot Congo positif. Alors, tout le monde est en train de se rendre à pourquoi Congo positif. Et puis, il y a deux jours passés à Awa, à Autosalis, à Milulu, il y a Mounene, on a toujours Congo positif. Alors, on va découvrir avec vous, ensemble, tout le Congo positif en haut et Zani. Nathalie Moni. Votre parole en abysso, Congo positif. Pourquoi Congo positif? Pourquoi? En fait, rien à préciser déjà, et donc, mon corps, ils ont mouvementé, ils ont parti politique, et ça va déjà, il va déjà depuis l'année passée, en 2016, en octobre. Donc, pourquoi Congo positif aussi? En fait, par rapport, il y a tout qui sont comme Congo positif, par rapport, il y a deux dans le Congo, mais ça les a été. Donc il y a un moment quelque chose qui m'a tout le monde en négativité pour tout le monde dans la positivité en fait. C'est ça qu'on je peux dire comme ça. C'est quoi qu'on a pour moi positif lié aux Anak? En fait, on a pour moi positif, on a la Zali présidente fédérale il y a France, donc Fédération France, la présidente. C'est un parti politique, oui. Mais ambition, c'est-à-dire pour la vie des amis, dans les jours à venir, nous autres, nous voulons ça la nuit. Les amis, par rapport à l'emploi, nous avons lutté contre le chômage, nous avons lutté contre comment je vais dire, la famille au Congo. Donc, il y a un mot de l'Ukraine, tout le monde poussé, pour créer l'emploi, donc entrepreneur. Et puis, objectif de M. Zawana, quoi. Et en vraiment comme positif, ils ont lutté contre tout ça, par exemple, le chômage, en fait. Pour le moment, objectif de M. Zawana, pour qu'il y ait une législative. Donc, tout ça, vraiment, nous avons posé, tout le monde va partir, nous sommes. Mais c'est vraiment objectif de M. Zawana, pour le peuple. Donc, tout le cas de ça, là, pour créer ma mission, là, sachant que M. Zawana les a aidés dans le Congo, mais tout le monde va pour exploiter en monter. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire en fait. Voilà, pour sensibiliser la population pour mobiliser la mort. Sigo, il y a deux jours passés à Autosalis, à Milulu Mokoyamounen, en France à Wa. Et ça prend la ligne. Ils arrivent pour la ligne. Parce que Congo positif, c'est bon, tu es bien moi. Alors, organisation Saraki Wa, les arrivent pour la ligne. En fait, ils allaient qu'il faut la provinisa positif officiellement au niveau de la France. Donc sortie officielle, non? Sortie officielle, si on peut dire ça, dans cette conférence, non pas pour sensibiliser tout à au niveau de la France. Mais voilà, c'est ça quand même. Bon, c'est quoi, et là, on est au sein de la population, voilà, mais ils sont. Ceux qui m'ont dit que nous avons besoin d'adhérer à pousser la première Nabino, il faut ça la ligne. Et là, on est au Goïm Sabatou. C'est là ma prochaine Nabino. Parce que Batou, moi, c'est là. Bayo Kabina a dit, c'est vrai, au Kim Sanzarame. Bayo Kalisou, moi, il n'y a pas d'Amino. En fait, et là, on a envoyé Bissabatou. On a envoyé Bissabatou. Non, normalement, pour s'adhérer Batou, par exemple, au Bazan, la France, même partout dans le monde. Pour s'adhérer parce que l'autre monique ma partie politique mon sousou et aux idées pour avoir intérêt d'avoir mon personnel au lieu de travailler pour la peuple maintenant que le peuple communique pour travailler pour la baron donc il suffit qu'il va comme ma place valide pour coma au moment là au fait abandonner le peuple quoi même bateau basa misika au basa par exemple la Belgique la Allemagne partout hein la diaspora bah, on peut quoi adhérer là pour le moment bureau est en France
plus précisément na tour. Donc sur la ligne base on a par exemple dans la 07 81 39 08 52. Donc toujours vraiment toujours travailler na peuple, toujours l'idée parce que tout le monde qui est côté sous-sol na biso et ça déjà exploité, toujours profiter dans mon thé. Alors, but de Congo, Congo positif, ils allaient tout exploiter au moins sol la biso. À sachant que la France, par exemple, tout exemple, bah, vivre en agriculture, genre bah, pomme, bah, lili, donc bah, raisin. Donc on peut faire ça aussi au Congo pour exploiter bah, terrain sur les habits parce que le Congo n'est pas construit. Congo est vide. Ma côté à Bakassai, même le Congo, même le Kinshasa, ils ont vide. Alors toujours, l'idée n'a pas surtout exploité l'espace qu'on a vide ouana, pour pouvoir pour ça l'agriculture, bah mis c'était bah tout coupa, bah mis bah tout cola, bah tout coupa. Donc bah tout coupa moyen pour tout bah pêche et zaté. Donc imaginez-vous qu'on moque à l'école Namibie. Donc, et donc lié ça, Congo mobimba. Parce que tout comme vous pouvez nous poser, mais si vous n'avez pas de par exemple poisson, de thomson, pour la créer pour alimenter, ah on a Congo. Aussi en tant que mis au monde dans la fleuve, dans la mer. Donc, il y a moins de monde qui est toujours lié contre on a comme une peu population là où les opposants, les autres opposants, bah là qui s'appelle peut-être mis au monde dans la mer, montre seulement que là, richesse comme une opposant à la côté pour la bah toi iba. Tout ça pour la mis au monde copé comme on dit pour iba qui les a mabélé la mis au donc sol la mis au. La seule la vie sur le fan pour tout exploiter, ça peut nous faire, pour tout comme appeler, batminer, mais pour moi, peut nous allons battre les jeunes garçons, bazo balaké. Aujourd'hui, les jeunes, avec toutes ces choses, notre projet, pas la mi-balle, on peut au bala, parce que bah, on va mort, bah, on s'est retrouvé. Il y a beaucoup de choses à faire, on a la forêt, on a tout. Donc, moi, les richesses sont naturelles. Alors, comment possible, vraiment, ils ont l'idée d'exploiter les richesses à côté, on a pour pouvoir. La crise économique est en train de se faire. Voilà, tout ce qui est en train de se faire. Nous prenons peuple de la paix, 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 la travailler pour le peuple et non peuple travailler pour la vie. C'est ça la différence entre Bisso Naba Nani va partir nous sous. Nous en avons pour travailler pour le peuple, donc on va vous aller décider parce que nous sommes là, on travaille avec eux pour eux. C'est ça. Ok, voilà. C'est bon, mouvement Nyoso, et ça va moi, c'est-à-dire moi, à tête d'affiche. Vous comprenez tout ça, l'émission du sang du coup, vous êtes quelque part entre eux pour empêcher de comme société, voilà. Mouvement de sous en tête d'affiche. Congo positif, Nani Benaza, hein, Likonzi. Bon, le président de la mission nationale nous a dit, mais c'est qui Chidié Bené. Donc, dans la conférence, justement, quand j'avais fait la conférence le 15 juillet, on a checké ma fiche là. L'image est allée donc au moins aboué qui est le président qui est donné fiche. En plus, ça nous va être en direct à Solène Nabata, ma question dans le monde. En tout cas, pour la mission de Tigre de l'homme, madame. Merci. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Voilà donc ma vidéo est en Moana, Hollanda. Pour la vidéo, pour l'intervention, pour la conférence, comme ça, vous allez comprendre un peu plus pour la Congo positive. Merci. Voilà, ce pour les mots s'adhérer, donc n'hésitez pas. Au Bengala numéro 1, après voilà. Donc, mot de la fin, Zanini. Mot de la fin, vraiment, la Bengala, c'est tout bon pour s'adhérer. Bon, hésitez, il faut. Badass numéro 1 pour. Ouais, numéro, ils allaient 07 81 39. 08 59 52 pardon. Tout bas les banda, par exemple dans ma Belgique, tout ça là, vous m'accédez à plus 33. Donc c'est ça que je peux dire. Voilà, restez connectés dans tout le Belaville, dans le bar à chaque fois. Vous s'appelez, s'abonner quand même. Merci. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, distingués invités. Permettez-moi, avant toute chose, au nom du président du Parti Congo Positif, Son Excellence l'ambassadeur universel de la paix, M. Kishi Dedonné,
ainsi combien propre le de vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et vous souhaitons la bienvenue dans ces beaux cadres du Grand Hôtel ici à Tours en République française. Nous avons l'honneur en ces jours du 15 juillet 2017 de prendre la parole devant vous, pour vous présenter notre parti politique, votre famille politique, désormais Congo Positif. Mais avant toute chose, je voudrais ouvrir volontairement notre réunion en ces jours sur la note triste. Vous le savez peut-être mieux que moi, la République démocratique du Congo, notre chère patrie, fait face à une violence aveugle et une insécurité insupportable et inacceptable, surtout tout l'étendue du territoire national. Les derniers événements en date d'hier au grand marché de Kinshasa, au nom de nous tous ici présents, nous voulons assurer très patriotiquement le peuple congolais, notre peuple de toute notre solidarité, et vous invite s'il vous plaît à observer une minute de silence en mémoire de milliers de victimes des guerres et des différents conflits que connaît notre mère patrie, la République démocratique du Congo. Merci à tous. Avant que la présidente puisse vous inviter à connecter le président pour la sensibilisation, le pourquoi nous sommes ici et le pourquoi beaucoup de Congolais font aujourd'hui comme nous, ici et là. Tout à l'heure, en regardant un clip, le candidat Kedzi a parlé d'un Zaïre en déconfiture. Mais je crois que c'est toute l'Afrique noire. Et tous les enfants de ce continent, vous et moi, nous souffrons des mêmes maux. Vouloir rester à l'écart pour critiquer, et critiquer seulement, ça ne nous empêche pas d'avaler notre morceau à table. Donc la situation est grave. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Le grand chef du plus grand pays du monde est venu vers le tout petit et c'est significatif. Donc qu'il s'agisse du Congo, la République démocratique du Congo, du Congo-Brazzaville, de Centrafrique, du Togo, lorsque la ville de Réunion de sortir, il faudrait se mobiliser. Vouloir rester à l'écart critiqué est synonyme de pleurnicher. Et pleurnicher, c'est encourager ce qui se passe au niveau de nos dirigeants, qui nous tapent le pion. Et s'il y a des petits partis, il n'y a pas de petits partis, il y a des partis qui naissent. Être président, c'est la chose de Dieu, que vous le vouliez ou pas. Il peut y avoir des coups d'État, il peut y avoir ceci, il peut y avoir cela, mais c'est quelque chose qui tourne sur tous les toits, chaque toit de chaque citoyen. Ça peut s'arrêter sur votre toit à très haute distance, la cliente, Dieu vous a choisi. Et lorsque vous êtes choisi, vous ne devez plus jouer avec la vie des populations. Voilà ce que j'ai à dire. Le président Ndissi, c'est quelqu'un qui démarre, fait ses premières armes, on ne sait pas ce que Dieu lui réserve. Je vous remercie. Donc, il y a le président Dedone Kitchi qui est en train de nous suivre aussi en direct. Quand je vais finir le discours, il pourra aussi parler et vous aurez des questions à nous poser directement. Je vous remercie. La création d'un parti politique doit être une réponse à un besoin précis de la population.
Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est entrée en période de forte turbulence politique au plan national. Les reports Sindhi des élections présidentielles prévues en 2016 et le fragile accord de la Saint-Sylvestre censé régler la transition politique est une impasse totale. C'est dans ces contextes politiques difficiles que nous avons l'honneur de vous présenter notre parti. Notre parti politique est désormais Congo Positif, créé en octobre 2016 à Kinshasa, avec pour objectif de lutter pour le retour de l'emploi, la valorisation de l'emploi avec un salaire digne et un pouvoir d'achat à l'auteur des potentialités et des richesses congolaises. Article 36 de notre Constitution. Congo Positif est un parti anti-chômage. Cela nous amène à lutter contre les importations de produits de masse pouvant être produits locaux. Nos experts ont mené des études et nous savons aujourd'hui de manière chiffrée que nous pouvons proposer au peuple congolais un programme ambitieux, réaliste et réalisable pour sortir le peuple congolais de la misère et ainsi parler du développement intégral de la République démocratique du Congo. À ce titre, Congo Positif attend concourir à l'expression du suffrage, dans le respect de la Constitution, des lois, des règlements, des institutions de la République démocratique du Congo, de l'ordre public, des bonnes mœurs ainsi que le principe universel de la démocratie, de la souveraineté, de l'indépendance, de l'unité nationale, de relations mutuellement paisibles et du respect. Le projet des sociétés du Congo Positif est d'assurer notre destin collectif fondé sur la grande valeur du positivisme rénovateur, vecteur, exponentiel pour la relance globale de la construction et le développement de notre pays dans tous les domaines de la vie nationale. C'est-à-dire que nous optons pour la social-démocratique qui est un courant politique réformiste d'inspiration socialiste qui vise à obtenir un ordre social plus juste, qui s'inscrit dans la démocratie libérale et dans le libre jeu du marché. Cette option social-démocratie nous oblige à considérer que le fédéralisme est la forme de l'État par excellence pour la gestion, chose publique fondée sur le partage des compétences législatives, juridiques et administratives entre le gouvernement central de l'État et les gouvernements des États fédéraux. Le projet politique du Congo Positif s'inscrit donc dans la défense des valeurs socio-démocratiques, enfin d'assurer à la République démocratique du Congo et son peuple une place de choix au vu de sa grandeur en Afrique et dans le concert des nations à travers un développement intégral, équitable, durable. C'est justement la méconnaissance de ces valeurs de la social-démocratie qui a conduit la République démocratique du Congo dans les profondeurs des crises politiques, institutionnelles, économiques et sociales. Ressources du sol et du sous-sol au profit de la population. Ils craignent si des actions énergétiques ne se sont pas entreprises au cours de la prochaine année de manière accélérer la construction du pays en lui donnant les infrastructures basiques, vecteurs directs du développement, sur un rythme soutenu
et volontariste, notre génération n'a aucune chance de vivre dans un Congo émergent. Il nous faut donc envisager une stratégie de combat pour passer une croissance civile à une croissance voulue, responsable, assumée et planifiée. Le socle de ces combats pour la croissance passe par l'amélioration de la gestion économique de la nation. L'assainissement des finances publiques et cela s'attend, rationaliser les dépenses de l'État en vue de le maintenir dans les proportions acceptables qui permettent de dégager des économies. Mobiliser de manière accrue les recettes publiques, opérer les réformes nécessaires, de prendre des mesures fiscales, idoines, enfin d'élargir l'assiette fiscale. Rendre les opérations financières transparentes afin d'éviter les déficits croissants. Appliquer une bonne politique monétaire, prudentielle, centrée sur l'efficacité de la Banque centrale pour éviter le flottement monétaire. Opérer la réforme des secteurs agricoles, forestiers, miniers, pétroliers pour le rendre substantiel, contributif au budget de l'État. Quelles sont ces valeurs que porte Congo Positif? Les projets des sociétés de Congo Positif s'articulent autour des axes principaux suivants. Une option politique avec le fédéralisme comme forme de l'État, le pluralisme politique est une démocratie électoraliste, une forte réforme de l'armée, la participation du Congo Positif au processus de mondialisation par une diplomatie agissante, la valorisation de toutes ressources sociales et culturelles, la protection de la famille, la réforme système de sécurité sociale, une politique budgétaire appropriée, la promotion de la santé, l'aménagement des villes et la promotion de l'habitat social, appui au secteur productif, la vision sous-tend ses valeurs et de réduire les obstacles du développement du Congo et inverser la tendance de la pauvreté en apportant des éléments de réponse. C'est d'ailleurs la raison d'être du Congo Positif. Congo Positif considère également que c'est un gâchis de ne pas engager un dynamisme, dans le pays qui permettrait d'exploiter à fond et en interne les réformes d'administration publique. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, distingués invités, ces nouveaux-nés sur la scène politique de la RDC, la République démocratique du Congo, installée aujourd'hui en Europe, en France particulièrement, pour une adhésion massive de notre diaspora. Vive la diaspora RD congolaise! Vive l'alternance dans notre pays, vive Congo Positif, parti anti-chômage, vive la République démocratique du Congo. Merci. Alors maintenant, nous allons écouter le président national du parti Congo Positif. Et vous pourrez après poser des questions. Bonjour.
rapport au président fédéral. Son application, nous voulons citer aussi pour l'initiative qu'elle a prise aujourd'hui de pouvoir détenir une conférence de présentation des Congo politiques en France. Je crois que nous avons suivi son exposé. Elle a très bien présenté Congo Positif, qui est un parti politique non aligné, c'est-à-dire pas une partie de la majorité, pas un parti, pas non plus un parti central. C'est un parti non aligné parce que nous considérons qu'aujourd'hui, les systèmes qui sont là ont été mis en place par l'opposition, par la majorité, par la société civile, par tous ceux qui sont là. Ce sont eux qui ont mis en place les systèmes là qui font qu'aujourd'hui, les Congolais sont en chômage, qui fait que les enfants vont à l'école sans rien apprendre de série. Il faut qu'aujourd'hui, on n'a presque pas d'hôpitaux, les gens à ce point de notre pays, simplement parce qu'il manque de vie. Donc, le Congo négatif est pratiquement partout. Et pour faire ce Congo-là, pour partir d'un Congo négatif, il faut que nous, les enfants, nous puissions lever pour essayer de défendre notre et de défendre la mère partie, essayer de défendre nos compatriotes. Aujourd'hui, vous allez dans chaque famille congolaise trouver des gens qui ne travaillent pas. Trouver des chômeurs, des personnes qui n'ont jamais travaillé, des personnes qui ont perdu du travail. Trouver les papas qui se réveillent le matin pour travailler, mais qui ne gagnent pas ce qui peut lui permettre de supporter sa famille, de se nourrir, de faire éduquer, de faire soigner, de soigner ses enfants, ses doigts. Et pourtant, nous sommes dans un pays béni. Nous sommes dans un pays extrêmement riche. Extrêmement riche. Et la richesse du Congo ne doit pas être toujours perçue une malédiction. C'est une richesse que nous avons transformée en richesse véritable pour que nous puissions également changer les niveaux de vie de nos concitoyens. Alors, ce travail-là, nous avons voulu le faire ensemble avec qui est en France. Parce qu'il y a une dynamique importante. On a vu la loi électorale qui dit qu'on devra enrôler les Congolais qui sont à l'étranger. On va, les Congolais qui sont à l'étranger vont voter leur. Il est important que vous, membres des Congolais positifs, puissiez aussi présenter comme candidat par la synergie des Congolais positifs qui sont ici en République démocratique du Congo. Et vous qui êtes en France, c'est quand ça, pour essayer de travailler, essayer de voter en faveur de nos compatriotes. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. En tout cas, les messages, c'est ça. Ce parti-là, c'est un parti extrêmement tenu par des peuples. Et en ce moment, juste à côté de nous, il y a une autre qui s'est fait, la réunion de la Ligue des femmes de notre parti. Et donc, lèvons-nous, les gens sont là, les mamans sont là, les jeunes sont là, lèvons-nous pour la cause de nos concitoyens, lèvons-nous pour la cause de notre pays. C'est notre mère patrie, de sorte que, comme l'a dit votre président, là où, en ce moment, Macron, il a dit que c'est à nous de dessiner, c'est à nous de dire ce que nous allons faire pour les rassures qui vont venir. Nous avons un mot, nous avons à faire, nous avons une obligation de travailler pour savoir donner un vrai Congo, un Congo positif à nos enfants. Je vous remercie. Ben, c'est pas s'il y avait des questions, nous sommes disponibles. Je suis là, il y a le vice-président, il y a le secrétaire général du parti. Bon, on n'a pas compris tout le monde aujourd'hui, mais sinon, allô? Bon, nous sommes disponibles. Allô? Tiens,
Alors maintenant, on va passer aux questions. Si quelqu'un veut poser des questions, on va passer dans les rangs. On va passer le micro, vous pourrez poser des questions. Vous avez des questions à poser? Vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Est-ce qu'on vous voit pas? Bonjour Monsieur le Président. Je voulais savoir, dans tout votre programme, je n'ai pas entendu parler des immigrés ici, donc du moins des expatriés. Ou... Des ressortissants, oui. Ouais. Des ressortissants congolais. Non, attendez. Je voulais savoir quand vous serez président. Est-ce que les personnes vivant ici en France pourront rentrer chez eux en toute sécurité? Voilà, la question est une demande. Ok, je vous formule la question. Vous demandez aux personnes qui veulent vivre en France. En toute sécurité, c'est pas la question. Oui, c'est ça la question. Voilà, c'est ça. D'abord, c'est un droit pour le Congolais de venir dans son pays. C'est un droit. C'est pas un cadeau. Pour le Congolais, pour autant qu'il n'a de mérite avec 6% pas sur qui n'est pas parfois. Je crois que tout Congolais a la liberté, a les droits d'aller revenir qui veut dans son pays. Ça, c'est clair. Mais je dois aussi dire que notre pays connaît une recrudescence phénoménale de l'insécurité. Vous avez hier, pas plus tard, tous les grands marchés de l'insécurité a été attaqué. Vous voyez, ce sont des problèmes de sécurité. Ça veut dire, lorsque vous revenez, nous, comme les Congolais qui vivent dans leur pays, vous essayez de vous mettre un peu plus à l'abri. C'est une chose. C'est l'insécurité. C'est un phénomène mondial. Donc voilà ce que moi je peux vous dire. Mais ils repèrent de la sécurité. De sortir du pays, d'aller ailleurs et de revenir comme il veut et comme il entend, pas que le pays. Voilà. Merci. Gros merci. Il y a toutes les souris. Mais c'est pas. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Alors, bonjour. Bonjour. Je ne suis pas du Congo démocratique, mais je suis en face. Mais là, je parle au nom de. En tant qu'Africaine, parce que c'est presque toute l'Afrique centrale qui vit un peu ce même problème. C'est bien de naître comme ça. Ça donne l'espoir, certes. Mais qu'est-ce qui nous rassure, franchement? Parce que nombreux sont passés, on a cru en eux, on les a aidés, on les a accompagnés, on les a placés. Ils ont représenté le Congo, le pays ou le peuple. Mais après, c'était eux-mêmes. Voilà. Et qu'est-ce qui peut aujourd'hui nous garantir ou nous donner l'espoir, croire en vous, si vous voulez, en deux mots? Merci. D'accord. Merci beaucoup, Marie. Je crois que vous avez raison dans cette salle. Thank you.
pour aspirer à la tâche même. Nous sommes un petit panache. Le vice-président Dieudonné à comment où nous sommes de tenir cette réunion, il n'est pas audible. Au nom du fait que nous sommes partis panafricains, nous avons été invités tu vois, pour des échanges avec le parti qui est avec les pays et après demain beaucoup d'autres. Donc c'est pour vous dire que nous sommes pas un parti. Nous sommes habitués par les de l'intendance parce que je vous dis, les questions ici, c'est de la terre. La terre africaine, la terre polonaise, nous voulions, c'est-à-dire, nous pas dire, déjà ça, nous n'envoyons pas. Alors, qu'est-ce qui vous rassure? Bon, en Angola, on dit, comment on dit, il y a qu'un peu à finir ça, il y a un peu à finir ça, donc, un seul politicien, aujourd'hui, fait que. C'est bien difficile de faire confiance à quelqu'un qui se lève, qui est député, qui a un parti, voilà, nous voulons faire et de trouver ensemble. Ça, c'est devenu difficile de faire confiance. Pour autant, on ne va pas pousser les bras. Il est difficile qu'on nous fasse confiance. Donc, moi, je pense que nous n'avons que notre bonne volonté, nous n'avons que l'attention de notre père, nous n'avons que la passion de notre. Écoutez, c'est un très très grand pays. C'est un pays qui mérite quand même sa place dans le concert des nations. C'est un pays aujourd'hui qui recule comme on ne peut pas imaginer. Et comme citoyen d'un pays comme ce, quand vous êtes africain, en tant que voir ces pays descendre vos affaires, la manière dont ça se passe aujourd'hui, tout ne peut pas rester insensible. Aujourd'hui, on ne voit pas tous se lever pour l'argent. On a vu même des gens qui se sont levés pour l'argent. Ils ont pris un poste trop après, ils ont été battus. Et même l'argent dont ils ont parlé, deux jours après, un mois après, on a vu dans les arrêts des bus. On les a vu en train de demander des enfants aux autres. Donc, pour dire que c'est vrai que les choses se sont faites. Là, il y a eu des problèmes, mais je ne manque pas. Honnête de la politique. Mais nous, nous disons, nous n'avons que bonne foi, nous n'avons que notre volonté de faire des choses pour que demain soit demain meilleur pour nous. Donc, pour nous, nous n'avons que volonté. C'est à tout le monde de nous trouver. La bonne façon de nous, c'est de venir avec moi pour vous poser. C'est d'être là. Qu'est-ce que nous dérapons? Est-ce qu'on est à mesure de tout? Non, non, ce n'est pas ça qu'on se dit. Parce que ici aussi, c'est un mot qu'on a. C'est les militants, quand ils entrent en partie politique, ils pensent que nous, bien sûr, vis-à-vis du. Non, nous sommes aujourd'hui une partie politique. Tous les à la parole, le droit d'appeler le pays. Monsieur le Président, ce n'est pas ça que nous. Regardez comment vous êtes en train de taper. Et avant d'aller, il faut que j'en sois là. Il faut que l'on vienne contrôler leur choix. Nous sommes ligués aujourd'hui. Nous avons besoin d'une ligue. Nous devons nous liguer parce que ce n'est pas les comptes dans ce pays. Et pour tous les pays d'Afrique, nous devons nous référer à la phrase de France Fanon qui a dit que. Afrique a la force de terre et de la gâchette au Congo. Mais nous devons libérer cette gâchette. Donc l'Afrique ne doit pas rester insensible au problème de la République démocratique. Voilà ma soeur, ce que je peux vous dire simplement. Et je salue comme votre présence dans cette salle. Je trouve que c'est une présence qui va ouvrir des positifs à Brazzaville. Je vous remercie. Merci. Quelqu'un d'autre a une question? Bonjour Président. Bonjour. Oui, je voulais un peu vous demander, comme vous êtes là sur place, parce que nous on habite ici, moi par exemple je viens de la Belgique, je veux un peu savoir sur place comme vous êtes là,
on fait les campagnes ici, on essaye de faire la sensibilisation pour voir un peu où on va aboutir à quoi, et sur place. Qu'est-ce que vous avez au moins fait déjà sur place qui assure aussi le peuple congolais qu'on peut avancer avec vous? Et puis, c'est l'assurance du peuple congolais en tant que nous, comme nous sommes ici, est-ce que quand nous arrivons, parce que des fois on a peur. On a peur de ce qui se passe au Congo. On a peur avec les gens quand on arrive. On te regarde, tu es pour qui, tu es pour qui. Nous, on sait qu'on est là pour défendre le peuple congolais. On est là pour que le peuple congolais se trouve quand même dans son pays et qu'il se sente libre. Maintenant, dès qu'on voilà. arrive là, qu'est-ce qui peut nous rassurer? Qu'est-ce qui peut nous prouver que vous, en tant que président du Congo positif, qu'est-ce que vous avez déjà fait sur place qui rassure aussi le peuple congolais et qui nous donne aussi le courage de vous soutenir ici à l'Europe? Merci. Bon, qu'est-ce que moi je fais? Bon, la première chose que j'ai fait, tout, qui a été faite à travers le monde, c'est que je suis d'abord ici, je suis congolais. Et j'ai droit pour mon pays fonctionner comme il se doit. C'est peut-être pour moi de chercher mon pays bien. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, par les associations que nous avons créées, en voyant des associations, même pas des droits de pouvoir présenter quelqu'un, candidat par exemple. Mais aujourd'hui, nous avons un parti. Quelle raison? Nous sensibilisons les Congolais. Nous disons aux Congolais, ce Congo ici, ce n'est pas celui que nous méritons. Réveillons-nous. Parce que ce Congo, ce n'est pas celui que nous méritons. Nous méritons un Congo, et que, selon les études de notre parti. Le SMIG, le salaire, le Congo là est possible. Nous avons, pour vous écouter, hein, nous avons une réserve de fer dans le bas Congo, ici, à 300 km de Kinshasa. Une réserve de fer qui vaut 1 300 milliards de dollars. Or, pour mettre le Congo sur le chemin de son développement, on a besoin de 800 milliards de dollars. Mais vous avez une mine de fer qui vaut 2 300 milliards. Ça veut dire que vous prenez de 800 milliards pour votre pays. Il en reste 500 milliards. Rien que pour le fer, quoi ce qu'il faut. Donc nous sensibilisons. Notre c'est de faire pour la lutte pour les bâches de majeur pénal. Donc vous situez dans toutes ces villes de Congo, vous vous rendez compte du dossier. Qu'on assimile, qui est dans la peur, de compter, qui s'accommode, qui est le temps. Mais aujourd'hui, nous réveillons au club, ce n'est pas ça qui est. Et je crois que vous avez été le premier qui nous dit ce n'est pas ce que vous mettez. Et aujourd'hui, votre discours a été récupéré par un. Et dans les cas de votre parti, c'est déjà une grande réalité sociopolitique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait ça. Nous avons déjà un cadre qui va très loin et qui s'intensifie tous les Congolais matin, midi et soir. Nous allons présenter des candidats parce que nous sommes en train pour nous faire entrer dans le Congo les chefs de travail. Parce que comme l'a dit Madame la présidente, Madame Kalipani, nous sommes un parti qui se bat pour quoi bien. Travailler et les Congolais sur le chemin du travail. Parce que quel est le problème? Aujourd'hui, les informations tuent les choses dans notre monde. Parce que quand je les dérive, Chine, donc, et on ne contrôle même pas la carte. Vous voulez manger les poissons, ce n'est pas bien. Il y a 700 000 heures de vieillesse chaque année dans notre pas pour le faire. Mais dès que tu prends, dès que vous n'êtes pas cette. Lèvons-nous ensemble et travaillons pour que c'est pour la vie. Un peu, ma soeur, c'est les mains de réponse. Merci pour votre question. Merci.
Vous avez une question aussi? Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. J'ai suivi toutes les questions et les réponses que vous avez données, mais on ne parle pas de l'éducation nationale au Congo et ni de la santé au Congo. Qu'est-ce que aujourd'hui vous pouvez proposer au peuple congolais, nous qui habitons à l'étranger? C'est dommage, quand nous regardons les informations, que les gens meurent parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter des médicaments, ils n'ont pas de quoi envoyer leurs enfants à l'école. Qu'est-ce que vous nous proposez par rapport à votre campagne? Merci. D'accord, mais je crois que je l'ai dit, on ne va pas voir à l'école sans rien comprendre. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est très grave. Je vous rassure si vous êtes des amis. Quand vous voulez vraiment détruire le pays, on prend à vous dire son système. Nous sommes à ce niveau-là aujourd'hui. Nous sommes à ce niveau-là. Nous sommes dans la situation de l'économie. Et peut-être écrire une lettre. Et ça, ça vient de quoi? Pas un truc, ça. Moi, je tiens, peut-être qu'on ne fait pas tout ça. Bon, c'est une préoccupation maintenant pour nous, pour que l'enseignement est plein de l'aide pour des modèles d'autres pays, même ça va se faire comment? Mais bon, pas ensemble. Il y a une nécessité aujourd'hui. Il y a pas de nécessité que les Congolais, les Congolais, ceux qui ont la passion du Congo, qu'on se lève, qu'on se lève. Parce que déjà, vous voyez les parents qui sont contents du fait que son enfant a eu un mais il est très difficile. Cet enfant n'a rien dans la tête. Et ça, c'est une complicité. Parce que moi, comme parent, je dois me rassurer que mon enfant va aller voir. J'apprends quelque chose. Je lui fais des tests. Je crois que ça ne marche pas. Je me dis, non, il y a un problème. Les problèmes de santé, n'en parlons pas. Moi qui vous parle, je ne dis pas quelque chose. Ça fait, ça fait. Je viens de l'hôpital avec une jeune femme. J'ai vécu tout ce temps en province. Tous les temps. Mais ce que j'ai vu là-bas, je ne vais pas vous dire. Parce que le passeport sanitaire est extrêmement grave. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent. Il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent. C'est pour tout. Ils ne se lèvent pas parce que au Congo, quand vous devenez ministre, vous êtes en train. Non, des gens qui se lèvent parce qu'ils veulent travailler pour les autres. Des statistiques. Nous faisons partie de... Là, c'est mieux. Donc, on laisse les téléphones. Hein.
On laisse les téléphones, là c'est mieux, je coupe. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a une question encore à poser? Allô? Oui, allô, bonjour monsieur le président. Bonjour. J'aimerais juste savoir si le Congo Positif est un parti à l'opposition ou bien en accord avec le pouvoir en place. Merci. D'accord. Si ma soeur, bon, je vais. Hein? Nous ne sommes pas épargnés. C'est parce que ce qui arrive au Congo nous arrive à cause d'un système qui est en place dans la République. Et l'opposition est en place, ils ont déjà un système. Et ils s'interdépendent du rôle. Et ils traversent une politique qui sont à la recoupe. Ceux qui étaient à l'opposition, ils ne ça change de rôle et ils trouvaient le système. Ils ne passent des choses entre eux, pourtant, ils continuent à analyser. C'est un cercle qui est très fermé, écrivez-leur même. Pas les opposants, que ce soit les gens. Et donc, ils n'ont que faire avec le peuple. Et nous, nouveau parti, je pense que nous sommes, nous ne pouvons pas aller porter le poids sans clochardiser le peuple. Pour nous, debout, nous disons, nous ne pouvons pas flirter avec le système extrêmement pédagogique. Parce que quand vous apprenez, des sommes qui circulent entre eux. Vous n'avez pas. Vous entendez qu'on soit en train de détourner un gaillard, mais c'est millions de dollars. Il n'est pas ici. Entre temps, vous apprenez que l'opposant a reçu sans frais. Et tout cela, c'est tout un cycle. C'est passé. Il faut que. Et les gens, nous ne voulons pas viser à faire que un parti de la majorité. Nous ne pouvons pas nous faire partout. Nous sommes un parti non aligné. Nous ne sommes pas indépendants. Ce qui se passe. Nous sommes libres de nos analyses, nous sommes libres de nos pensées. Et vous voyez la liberté avec laquelle je m'exprime à cet moment. Donc, libre d'expression aussi, libre d'expression. Merci. Quelqu'un d'autre a une question? Monsieur le Président, sachant que notre pays... Oui, bonjour. C'est déjà... Sachant que notre pays, la République démocratique du Congo, est le numéro un... Oui. Est le numéro un pour la corruption, que comptez-vous faire pour lutter contre ce fléau? Mais oui, ça c'est... Oh là là. Oui, c'est dur. Vous pouvez répondre à la question. Il a pas compris. Allô? Oui. Donc je disais, sachant que notre pays est le numéro un de la corruption, que comptez-vous faire pour lutter contre ce fléau? Voilà, je n'ai pas très bien suivi. Je peux répondre. Je n'ai pas très bien suivi la question. Vous avez
Et le numéro de la foule. La question, Monsieur le Président, c'est que pouvez-vous faire contre la corruption de notre pays? Monsieur le Président, s'il faut mettre les gens en prison, j'avais 5 ans, il y avait que 2 prisons au Congo démocratique. Je ne suis pas de Congo démocratique, je suis en face, mais j'avais 5 ans, il n'y en avait que 2. Les 2 prisons que moi je connais, c'est Makala et puis l'autre qui est dans le bateau, je pense là. Si je ne me rends pas parce que j'ai oublié. Mais il y a 2 ans là, c'était déjà sur pépé. Les gens étaient même devant. Trop même. Et là maintenant, vous allez mettre les gens en prison, ça sert à quoi? Et donc vous allez créer des prisons. Il y avait Louzou ou autre chose. Avec Makala, il y en avait que 2. J'avais 5 ans à cette année-là. Donc il y en avait plein. Ils s'étaient surpeuplés, si je ne prends pas. Donc s'il faut mettre les gens en prison, c'est pas ça. C'est pas ça la solution, je pense, à mon avis. C'est informatiser les systèmes de paiement. Déroger l'informatisation dans le pays. Donner aux gens une coopération qui est là entre les mains des gens. C'est le pays au monde qui a mis le cadre. C'est pas là. Voilà. Il faut commencer aujourd'hui par les gens. Ils ont. Vous êtes le président. Le mal, et vous allez vous conduire. Ce n'est pas vous regarder, tel que vous voyez de vos yeux. Autre côté d'enfant là-bas, et quoi, la présidence fait un peu travail. Vous achetez ce qui se passe dans ce pays. Notre pensée. On demande pourquoi, on ne sait plus pourquoi. Alors, bonjour monsieur le président. Je suis africaine. Bonjour. Je ne suis pas du Congo, mais je viens soutenir mon ami. Parce que le mal du Congo est le mal de toute l'Afrique. Oui. Donc nous souffrons de la même façon. Je vais intervenir par rapport à la question de madame. Pour la corruption, je crois qu'on va aller plus loin. Je crois qu'il faut que l'Afrique d'abord récupère son indépendance. Oui, merci. Parce qu'on n'est pas indépendant du tout. Non. Donc, franchement, je vous encourage. Mais je voudrais bien que vous fassiez autrement. Parce que le discours que vous tenez, parce que tous les hommes africains ont tenu le même discours, mais ça se passe toujours autrement. Et nous souffrons tous. Voilà. Moi, je voudrais que, franchement, si vous êtes engagé à changer votre pays, compte tenu de vos richesses, c'est comme mon pays, je suis de la Guinée, un pays très riche, mais nous n'en profitons pas. Alors, récupérons d'abord notre indépendance et soyons conscients que c'est nous qui devons décider pour nos peuples, pour notre pays. C'est pas
décidé pour nous. Et pour ça, il faut que nous donnions le bon exemple. C'est quoi le bon exemple? Quelqu'un qui est président, il commence à se faire taper des villas, se faire des voitures. Qu'est-ce qu'ils vont faire les autres? C'est ça la corruption, donc en Afrique, ça va être difficile. Parce que pour donner le bon exemple, il faudrait que ça soit, commence par soi-même. Je vais aller plus loin. Alors, dans mon pays, Sékou Touré, au temps de Sékou Touré, il avait 504. Il n'avait pas de maison ailleurs. Alors, lorsqu'il parlait de la corruption, tout le monde l'écoutait. Donc, le premier qui faisait quelque chose, eh bien, il l'envoyait en prison. S'il y a un voleur, il vole, on lui coupe une main. Ou s'il y a quelqu'un, franchement, qui se permet de voler l'argent de l'État, il est jugé publiquement. Donc, le problème, il est plus grave que vous le pensez. Pour résoudre le problème de l'Afrique, il faudrait aller réfléchir longtemps et se remettre en question. L'Afrique doit se remettre en question. Pour nos enfants, parce que nous, nous avons perdu tout. Mais pour nos enfants, nous devons nous battre. Pour nos richesses, pour que ça nous revienne, que ça revienne à nos enfants, à nos peuples. Ce qui se passe en Afrique, ce n'est pas normal. Alors, je vous encourage, je suis là pour vous soutenir. En tant qu'Africaine, je voudrais vous soutenir. Je vous remercie. Je suis vraiment heureux, ma soeur, que vous ayez évoqué le président de Touré. Oui, je voulais parler tout à l'heure des pères indépendants. Nous sommes appliqués par le secrétaire de l'indépendance. Il faut que nous puissions reconquérir l'indépendance. Et pour y arriver, comme je l'ai dit, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble. Après trois semaines, ensemble. De manière pas organisée par l'Occident, mais d'une manière organisée par nous-mêmes. Bonjour, monsieur le président. Non, elle est là. Président. Bonjour. Bonjour. Ok. J'ai deux questions à poser. La première, c'est. Dernièrement, j'ai croisé la présidente fédérale ici en France. Elle m'a parlé du Congo positif, le parti politique. Elle m'a expliqué que le parti, il est là, mais il fonctionne aussi comme, comment je peux dire, comme une organisation, ce qui peut aider aussi les gens qui ont des projets, voilà, réaliser des projets au Congo, par exemple, implanter une entreprise, le parti aussi, il est là, donc pour coopérer avec les gens qui ont des idées. Donc si vous pouvez m'éclaircir sur ce sujet-là. Et la deuxième question, je voulais savoir votre position par rapport aux échéances possibles, comme les élections à la présidentielle ou bien aux élections législatives. Je voulais savoir votre position si, par exemple, vous allez postuler pour à la présidence ou aux élections législatives. Voilà, mes deux questions. Nous sommes là pour développer des projets. Nous sommes là pour soutenir des personnes tirées par nous pour demander leur budget. Donc, il suffit de s'adresser à notre fédéral qui nous atteindra. Donc, on va confirmer que la personne venue de part n'est possible pour nous si bien une chose. Nous avons tout un groupe d'avocats. Nous avons un certain nombre d'avocats qui travaillent sur différentes questions d'investissement. Nous avons même un secrétaire national. De manière beaucoup plus formelle, lorsque vous atteindrez, nous serons peut-être en mesure de vous dire un peu plus concret. Mais, deuxième question, nous allons
postuler à la présidence, je ne pense pas pour le moment, à moins que parmi nous, comme vous par exemple, pour expliquer, j'ai tous les atouts, bien, je suis membre du Congo positif. Je suis candidat, je vous trouve candidat président de la République. Nous allons examiner vos atouts, nous allons examiner et nous verrons si c'est pour pas. Et pour le moment, dans un petit qui vient de prendre, nous nous inscrivons dans la durée. Nous trouvons que c'est un combat. C'est que pour le moment, pas mettre, nous allons présenter d'abord aux élections législatives, provinciales, urbaines, municipales, jusque là-bas local. Pour que, et nous verrons par nous le candidat président. C'est lui qui aura un projet qui est proche du nôtre. C'est lui qui viendra nous montrer comment il va lutter ce mal. Comment il va retourner les Congolais de l'emploi. Comment il fera pour s'attaquer aux problèmes de coûts. Parce que nous avons 80 000 km. Nous avons 6 000 km de chemin de fer. Nous avons besoin de 30 000 KO de terre. Alors, ce président-là qui vient, ce candidat qui vient de nous dire comment moi je vais mettre de l'eau. Comment je vais vous 40 000 watts, c'est parce que derrière ça, il y a les temps. Oui, celui-là aura notre soutien en tant que candidat. Je disais tout à l'heure, sur le plan météo. Ah, nous nous pensons que nous pouvons aujourd'hui prêts à nous présenter à la République. Nous soutiendrons certainement, c'est lui qui présentera un projet proche de nous. Voilà mon père, merci beaucoup. Merci. Nous avons une dernière question. C'est bon là? Bonjour, Monsieur le Président. Je vais être très bref. Dans tout ce qui se passe dans la succession de pouvoir en Afrique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'alternance de pouvoir, souffre d'un grand mal. Et ce mal-là s'avère éternel en ce sens que ceux qui sont là, des hommes qui connaissent les astuces, qui se disent pleins d'expérience, sont indéboulonnables, ils sont inamovibles, ils ne bougent pas. Dès que l'alternance y est, très vite, ils sont là. Ils entourent le président, le nouveau président, parce que selon eux, il est bleu, il ne connaît rien, il va falloir chanter la messe de minuit auprès à l'oreille du président, et finalement, le pays va basculer dans ce qu'on appelle l'éternelle alternance avec toutes ces. Voilà. Hein, je reprends. Voilà. Je voulais tout simplement dire, et je le redis, le pays africain souffre de l'alternance au pouvoir. Il y a des gens qui sont là depuis des années, toutes les successions passent par leurs mains. Parce que je suis là, je suis vieux, je suis doyen, même si les jeunes, nous on connaît les rouages, président, ce que tu pensais, en dehors de la chose publique, est différent de ce que tu vas connaître. Donc la corruption commence à naître là. Et cette corruption, moi je la répéterai, en quelque sorte, le paradigme ethnocentrique. Si ce n'est pas l'ethnie du président
Si ce n'est pas l'ethnie du président composée des forces armées, des hommes de tribu, eh bien, c'est ça ou c'est la mort. Alors, qu'est-ce que vous entendez faire? Je ne demande pas un renouvellement de classe politique, parce que vous n'allez pas mettre tout le monde dans la poubelle pour être dégagé. Vous tuez la corruption. Mais que ferez-vous devant ce mal? Devant ce mal, pour vous débarrasser des hommes indébarrassables. Je vous remercie. Bon, je pense que les en train de faire fort sur le plan. Question au père. Les tableaux que vous payez, une triste réalité, madame, je ne savais pas. Une triste réalité qui est en fait des talibans sont des clairs incarnés. Lorsque vous comprenez les mouvements en termes de masse. Un peu comme le code d'indépendance, donc nous sommes au dernier moment de cette situation. Je pense que un peu comme aujourd'hui au Bénin, puis au Bénin, on peut citer le Mali, on peut citer les Ghana, on peut citer l'Afrique du Sud, on peut citer beaucoup d'autres pays aujourd'hui qui... Donc il y a un vent, peut-être qui est lent, mais qui va arriver. Donc je pense que c'est ça. Les restes, c'est comment nous on va faire. Bon, mais on est dans cette dynamique-là. Tout à fait. Qui est une dynamique tout à fait africaine, donc continentale. Je pense que notre travail idéologique va porter des fruits aujourd'hui, demain, parce que nous sommes aussi en train justement de réveiller l'initiative en tant que responsable pour organiser cette conférence. Nous voulons d'abord mettre les chapeaux bas pour toi. Et jeter tous les chandelles, vraiment te dire merci, te féliciter et t'encourager pour l'initiative. Nous t'envoyons, nous connaissons Nathalie, nous te connaissons très bien, nous connaissons ton dynamisme et nous savons jusqu'où tu peux aller. Ouais. Hein? Et nous, à Congo Positif, nous nous demandons si c'est pas toi la prochaine candidate présidente. Nos frères et sœurs qui sont là, qui sont venus de l'Afrique. L'Afrique, c'est la même, c'est notre terre. Et nous devons défendre cette terre. Et pour nous, Congo Positif, nous pensons que tous les pays d'Afrique c'est tout ce qui est pour l'Afrique. Donc, que leur budget, que tout ce qu'ils font, que leurs citoyens arrêtent et qu'ils viennent d'abord au Congo. Qu'on arrange la gâchette et la gâchette va dégager le développement de l'ensemble de l'Afrique. Et je demanderai à nos compatriotes africains qui sont dans la salle de relayer ces messages. C'est ce que notre vice-président est allé dire en Côte d'Ivoire. C'est ce que moi je vais aller dire bientôt en Afrique du Sud. Et c'est ça le message des Congo. Il faut qu'on se concentre d'abord sur les Congos. Dès que le Congo est mis sur le pas, l'Afrique va décoller. C'est pas moi qui le dis, c'est France Famille qui l'a dit. Alors, je voudrais vraiment féliciter tous les participants. J'ai vu la qualité des questions. La monnaie par maman est mystique. Merci à mes pères, à tous les pères, les beaux gars, les deux messieurs que j'ai vus dans la salle.
Avançons, la nation nous appelle, le pays nous appelle, voilà, pour vous. Chers compatriotes, j'espère que le président il a fini de parler. Hein, je ne sais pas si j'ai coupé la parole au président ou pas. Non. Assez. Allô. Finis. Donc je voudrais bien dire un mot de la fin aussi. Chers compatriotes, distingués invités, nous voici à la fin de notre célèbre rencontre avec le président Kishikedone, qui a répondu à toutes nos questions sans embâge. J'espère que chacun d'entre nous rentre avec une idée, sachant où. Et où se retrouvera de nouveau en mars plus tard. Il ne reste qu'à vous remercier avec tout le respect et surtout au nom du président Kishi, lui-même très aimable. Je vous remercie. Merci. Vous avez évoqué tout à l'heure plusieurs problématiques, notamment les difficultés. Et tous les désordres qu'il y a qui en Congo. Et selon vous, à qui revient tous ces désordres en République démocratique du Congo? Et si, qui porte les responsabilités par rapport à tous ces problèmes? Et si c'est le président qui est en place actuellement, vous soutiendrez le président pour la transition? Est-ce que vous serez d'accord, comme vous avez dit tout à l'heure avec l'IDPS, qui veut qu'il y ait une transition sans les présidents, parce que c'est lui qui met les bâtons dans le mou pour qu'il n'y ait pas organisation des élections démocratiques au Congo. Merci. Je vous dis, les responsables sont même là où vous n'imaginez pas. Les responsables sont partout, parce qu'ils ont, je vous ai dit, c'est un système. Et ils protègent bien leur système. Ils se retrouvent tous bien dans leur système. C'est comme ça que vous voyez, on veut se rapprocher des élections. Il y en a qui bloquent, il y en a qui avancent. Il y en a qui avancent, il y en a qui bloquent. C'est un système. Et tous sont dans un rôle qui empêche au peuple d'aller aux élections. Tous. Donc je vous dis, c'est tout le monde qui est dans cette dynamique-là. Parce que nous sommes au pays, on ne voit pas comment les gens se préparent aux élections, on ne les voit pas, on ne voit pas, on ne voit personne qui nous, partout dans les quartiers, nous, pour le politique, nous allons. On ne rencontre personne, nous sommes seuls sur le terrain. Et nous, à propos du politique, nous nous demandons si ce n'est pas toi la prochaine candidate. Je voudrais vraiment dire merci à nos frères, les Africains qui sont dans la salle, nos frères et sœurs qui sont là, qui sont venus de l'Afrique. L'Afrique, c'est la même, c'est notre terre, et nous devons défendre cette terre. Et pour nous, Congo Positif, nous pensons que tous les pays d'Afrique c'est tout ce qu'il y a dans toute l'Afrique. Donc, que leur budget, que tout ce qu'ils font, que leurs citoyens arrêtent, qu'ils viennent d'abord au Congo. Qu'on arrange la gâchette et la gâchette va dégager le développement de l'ensemble de l'Afrique. Et je demanderai à nos compatriotes africains qui sont dans la salle de relayer ces messages. C'est ça, c'est ce que notre vice-président est allé dire en Côte d'Ivoire. C'est ce que moi je vais aller dire bientôt à la Côte d'Ivoire. Et c'est ça le message de nous.
Il faut poser ensemble d'abord sur le Congo. Dès que le Congo est mis sur les pas, la plupart va décoller. C'est pas moi qui l'ai Chers compatriotes, distingués invités, nous voici à la fin de notre célèbre rencontre avec le président Kishikedoré, qui a répondu à toutes nos questions sans embâche. J'espère que chacun d'entre nous, pardon, rentre avec une idée, sachant où et où se retrouvera de nouveau en mars plus tard. Il me reste qu'à vous remercier.